Nous commençons par Matthieu 18, le verset 11. Matthieu 18, verset Matthieu 11. 18, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. On reprend, on lit à partir du verset 10, du verset 10 au verset 14. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Gloire à Jésus. Allons-y dans Luc 19, verset 8 à 10. J'expliquer d'abord quelque chose. Luc 19, verset 8 à 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce passage. Nous voulons d'abord comprendre Matthieu 18, le verset 11. Et c'est là que nous sommes venus directement dans Luc 19, le verset 10. Quand nous voyons les Écritures, pour méditer la parole, pour comprendre la parole de Dieu, les Écritures sont données dans le sens littéral, dans le sens littéral, historique et contextuel. Et Jésus parlait pendant qu'il était sur la terre, dans un temps où il était venu apporter le message du salut. Nous appelons ce temps le temps du salut, mais la loi régnait encore pendant ce temps. C'est pourquoi, quand même que c'était un temps du salut, le salut officiel a démarré réellement au temps de la grâce. Gloire à Jésus. Donc, Jésus parlait par connaissance. Ici, si on veut connaître le langage littéral par lequel Jésus parlait, c'était un langage par connaissance. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si nous devons voir cette histoire de Matthieu 18, verset 10 à 14, nous voyons clairement que si nous devons parler par connaissance, ce qui était perdu, c'est quoi? Selon moi, c'est la gloire dans le jardin d'Éden qui était perdue. Là, ce que vous avez dit, c'est trop poussé. C'est aller très loin. C'est pas ce que vous voulez, la réponse que vous voulez. Il a dit, selon la connaissance. Donc, les langages sont différents. Il y a la connaissance, la révélation, la connaissance, la prophétie, la doctrine. Maintenant, toi, tu es allé très loin. Tu as quitté le langage de la connaissance pour aller dans un autre domaine. Ce que je veux là, on a lu ensemble Matthieu 18, verset 10 à 14. Si on devait s'arrêter sur Matthieu 18, verset 10 à 14, sans trop méditer, sans trop chercher la révélation, qu'est-ce qui était perdu selon ce que je disais instantanément? Donnez-lui le micro. C'est les brebis qui étaient perdues. Donc c'était les brebis. Les brebis ou la brebis? La brebis. Il dit quoi? Gardez-vous de mépriser, de ces petits, car je vous le dis, que les anges des cieux voient continuellement leur face, etc., etc. Quand on retourne, il dit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissez pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée. Donc c'est la brebis égarée, selon la connaissance. Vous voyez, si je dois interpréter, je dois chercher à méditer ce passage selon la connaissance. Je ne vais pas chercher ailleurs. Je vais dire que là, ce qui était perdu, c'est la brebis. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est clair, c'est la brebis. On vient de comprendre que c'est la brebis égarée. Mais en réalité, quand Jésus parlait, il parlait à un temps où le Saint-Esprit n'était pas descendu sur toute chair.
Il parlait à un temps où le mystère du royaume des cieux n'était pas encore décelé. Il parlait à un temps où il n'a pas encore, accompli toute la mission pour laquelle il est venu. Alors, quand même qu'il dit qu'on voit ici que c'est la brebis égarée, en réalité, selon la révélation même, ce n'est pas la brebis. C'est la brebis, effectivement. Si quelqu'un me demande, c'est la brebis, je ne vais pas le condamner. Il a essayé de répondre. Et c'est une réponse, effectivement, littérale, selon l'Écriture. Ce que Jésus disait, c'est la brebis. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui depuis le temps de la grâce? Depuis le temps de la grâce, qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui est perdu et que le Fils de l'homme est venu chercher? Ah, dans Luc nous dit clairement qu'il est venu chercher et sauver, c'est ça non? Chercher, sauver. Or Matthieu dit, il est venu faire quoi? Il est venu sauver ce qui était perdu. Donc, nous on va comprendre aujourd'hui selon la révélation ce que veut dire ce verset. Qu'est-ce que le Fils de l'homme est venu réellement sauver, chercher? Pourquoi? Qu'est-ce qui... La réponse que tu as donnée là, je ne dis pas que c'est une mauvaise réponse, mais c'est dans un autre langage. Donc c'est là nous viendrons. Nous sommes en train de venir. Qu'est-ce qui était perdu réellement? Et que le Fils de l'homme est venu chercher et trouver. Oui. Et Jésus est venu chercher la croix. Je crois bien qu'il est venu chercher la croix. C'est qui lui permettra d'accomplir l'œuvre sacrificielle de la croix et pour sauver son peuple. Ah bon? C'est où? C'est écrit où que Jésus est venu chercher la croix? Bien sûr, de ce que vous dites, la croix, c'est quand la Bible dit que quand on voit que la croix c'est un sujet de malédiction et que c'est pas honorable pour quelqu'un d'être à la croix. Mais pourquoi vous dites que Jésus est venu sauver la croix? Quel est l'intérêt pour Jésus de venir sauver la croix? Est-ce que vous me comprenez? Parce que la croix est un sujet de malédiction. La croix, personne ne veut aller à la croix. Mais pourquoi vous dites que Jésus est venu sauver la croix? Bon, je dis que Jésus est venu sauver la croix parce que d'après Jean 3,16, ils ont dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur Jésus il est venu d'abord pour offrir sa chair en sacrifice pour sauver les humains. Voilà, donc ce n'est pas la croix. Okay. Selon ce que vous avez dit, votre explication, vous ne comprenez pas pourquoi vous dites la croix. Okay. Ou bien, vous ne comprenez pas pourquoi vous dites la croix. Pourquoi vous dites la croix? Vous avez dit qu'il est venu sauver les humains. J'avais dit la croix. Donc vous êtes en train de vous contredire. Okay. Vous avez dit qu'il est venu et sauver la croix et après vous dites qu'il est venu sauver les humains. Okay. Est-ce les humains il est venu sauver ou la croix? Okay. Non, on va venir. C'est pas que ce que vous dites est faux, hein. Mais comprenons clairement pour que les gens ne comprennent pas mal ce que nous disons. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut encore parler. C'est bon. Nous devons comprendre ici, comme je le disais, selon la révélation. Une révélation, c'est quelque chose d'abord qui était caché dans les Écritures. C'est quelque chose caché depuis des âges. Quand même que Jésus était sur terre, là, les choses sont encore restées cachées. Les choses ont été révélées lorsque le Saint-Esprit est descendu au temps des apôtres. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la révélation. Rien n'est plus parabolique, rien n'est plus caché. Et Jésus parlait, utilisait les choses terrestres dans les paraboles afin de parler des choses célestes. Parce que s'il utilisait les choses célestes en même temps, les pharisiens, ceux qui l'écoutaient, ne pourraient pas comprendre. Donc, il utilisait les choses terrestres. Quand même qu'il utilisait les choses terrestres, c'est devenu encore un mystère pour eux. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur tous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, allons-y dans les Écritures. Nous allons lire quelque chose. Allons-y dans Genèse. Genèse 1 et 3, du verset 22 au verset 24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam.
et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. Qui a compris quelque chose? Lorsque l'homme a péché, a désobéi au jardin, Dieu va mettre à l'orient du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous savons que dans le jardin, il y avait deux types d'arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aussi l'arbre de la vie. Il dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, même l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Le jour plutôt où vous mangerez, c'est en ce moment vos yeux s'ouvriront. Non. Le jour où vous mangerez, c'est-à-dire, c'est en ce moment que vous mourrez. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Mais le diable est venu, c'est Dieu pour dire, ah, cet arbre vous ouvrira l'intelligence et vos yeux s'ouvriront. Voilà. Mais le Seigneur lui dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Maintenant, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Effectivement, la mort, c'est-à-dire, ne peut pas vivre. Effectivement. Et à cause de ce péché, à cause du fait qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu va cacher l'arbre de vie. Pourquoi? Pour que la parole de Dieu s'accomplisse, il faut que l'arbre de la vie soit caché. Parce que quand on mange l'arbre de la vie, on ne peut plus mourir. Or, le Seigneur dit, la désobéissance à ma parole, lorsque vous allez manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Je reprends. Lorsque vous allez manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Donc, pour que ça soit effectif, pour que la mort intervienne vraiment sur l'homme ayant désobéi à Dieu, il faut que l'arbre de vie soit caché. Or, c'est l'arbre de vie qui pouvait donner la vie et changer. C'est-à-dire, si l'homme mangeait l'arbre de vie, et en même temps, le commandement de Dieu n'est plus annulé, alors Dieu n'est plus Dieu. Pour qu'ils ne puissent pas avoir la vie éternelle, à cause de leur péché, Dieu a caché, Dieu les a, c'est-à-dire a fermé l'accès à l'arbre de vie. Dieu a empêché à l'homme de pouvoir découvrir l'arbre de vie. C'est pourquoi il va envoyer deux chérubins qui vont garder là le chemin, vous voyez, le chemin de l'arbre de vie. Donc le chemin de l'arbre de vie est devenu un chemin violent. Pourquoi? Parce que deux chérubins agitaient une épée flamboyante. Donc pour accéder à l'arbre de vie, il faut traverser. C'est-à-dire, il faut, c'est devenu par force. Pardon? Voilà. Donc, c'est devenu un chemin violent, un chemin épineux, depuis que l'homme a péché. Et l'Écriture va nous dire quoi dans Romains 3, 23? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelle est la gloire de Dieu alors? Selon cette explication. Donc la gloire de Dieu, c'est l'arbre de la vie. Donc dans le jardin là, ce qui représentait la gloire de Dieu, c'était quoi? Qu'est-ce qui représentait la gloire de Dieu dans le jardin? Non, répondez clairement. C'est quoi? Voilà. Mais l'homme a reçu l'image de Dieu, qui est la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui pouvait donner cette gloire, renouveler en l'homme cette gloire? C'est l'arbre de la vie, la nourriture de l'arbre de la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Voilà. C'est l'arbre de la vie. Donc, l'homme a perdu la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu est en réalité l'arbre de vie qui était caché depuis que l'homme a péché. Donc, l'homme n'avait plus accès ni à l'arbre de vie pour vivre éternellement, ni à la gloire de Dieu. Donc, le chemin pour aller à l'arbre de vie était bloqué. Or, nous allons savoir quelque chose. L'arbre de vie n'existait pas à l'origine au jardin d'Éden sur la terre. Mais l'arbre de vie existait au ciel, dans l'éternité, dans les perfections invisibles, même avant la création du monde. Donc,
tout ce qui est créé. Lisons au commencement, Genèse 1:1. Vous allez voir clairement que rien de ce qui est créé n'a été inventé ou bien n'existe pas du commencement. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que le commencement est l'éternité? Donc le commencement est un début. Alors si on doit se limiter à ce qui a été créé au commencement, alors nous sommes en train de dire que Dieu existe depuis le commencement. On va dire que les anges existent dès le commencement. Non. Ils ont aussi eu un commencement, mais ne sont pas créés au commencement. Les cieux et la terre font en réalité partie du monde. Ce qu'on dit, Dieu crée, il y a le monde, c'est les cieux et la terre. Et c'est dans ces cieux qu'il y a le monde spirituel et le monde physique. Non, oui, cette terre même, la terre qui est quand on parle ici, il y a aussi le cosmos dedans. Le monde physique, il y a aussi le second ciel, le monde spirituel en dessous du troisième ciel. Voilà, c'est-à-dire la terre et les cieux, c'est-à-dire tout a été mélangé, a été créé au commencement. On dit que la terre était informe et vide. Ça, c'est une autre réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Tout ce qui existait dans l'invisible, dans les perfections invisibles, va être transmis par Dieu spirituellement ou physiquement. Dieu a voulu de toute génération que tous les hommes accèdent à l'arbre de vie. Quand on lit dans Apocalypse, la Bible dit quoi? Que l'arbre de vie servait à la guérison des nations. L'arbre de vie servait à la guérison des nations, à la guérison des peuples. Ça, c'est selon la prophétie. Mais effectivement, l'arbre de vie a pour but de servir à la guérison des nations. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, depuis que l'homme a perdu la gloire de Dieu, l'homme n'avait pas accès au chemin qui mène à l'arbre de vie. Or, le chemin qui mène à l'arbre de vie est le chemin qui doit nous amener à trouver la guérison et à aussi parvenir à la gloire de Dieu que l'homme a perdu. C'est pourquoi, comme l'homme a perdu l'arbre de vie dans le jardin d'Éden à cause de son péché, Dieu ne va pas rester toujours oisif et ne pas représenter l'arbre de vie dans les générations. Non. Au jardin d'Éden, l'arbre de vie était représenté. Mais l'arbre de vie était perdu, caché par deux chérubins. Et l'homme n'avait plus accès, ne connaît plus le chemin même qui mène à l'arbre de vie. Donc Dieu va encore représenter l'arbre de vie physiquement dans le désert. Est-ce que vous me comprenez? Dans le jardin, l'arbre de vie existait. Mais dans le désert aussi, l'arbre de vie existait encore. De plusieurs manières. De deux manières même. Et encore d'autres manières. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Il faut que vous compreniez ça. Quand vous comprenez ça, c'est facile. Quand vous lisez Romains 1, verset 20, la Bible dit quoi? Les perfections invisibles de Dieu se voient maintenant à l'œil. Les perfections invisibles, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle le ciel, le septième ciel. Voilà. Tout cela était en Dieu avant la création du monde. Les anges étaient au ciel avant la création du monde. Vous comprenez? L'arbre de vie existait dans le jardin qui était dans l'éternité même avant la création du monde. Le pain de vie existait au ciel avant la création du monde. La loi de Dieu existait au ciel avant la création du monde. Quand il y a création du monde, les cieux et la terre, le monde spirituel et le monde physique. Or,
La demeure de Dieu dans sa nature propre, c'est ça qu'on appelle le monde surnaturel. Le monde qui ne fait pas partie du temps. C'est-à-dire le monde qui n'existe pas au commencement. Le monde qui est au-dessus du commencement. C'est ça qu'on appelle le monde, c'est-à-dire le surnaturel. Donc le pain de vie existait. L'arbre de vie existait. Les chérubins existaient. Tous les anges existaient. Tout existait. Jésus-Christ, le Christ existait aussi de toute éternité là-bas. Maintenant, la Bible dit dans Romains 1, 20, tout se voit maintenant à l'œil. Comment à l'œil? Spirituellement à l'œil. Spirituel et aussi physiquement lorsque nous allons les voir dans le matériellement. Donc l'arbre de vie existe de toute éternité. Donc quand Dieu a voulu que les hommes accèdent à la vie, Dieu va mettre l'arbre de vie dans toutes les dispensations. Acclame Jésus. L'arbre de vie est dans toutes les dispensations. Dans l'éternité, dans le temps. Dans l'éternité, l'arbre de vie existait. Dans le jardin de Dieu qu'il a créé, qui est Eden, qu'il va mettre dans l'éternité. Dans le temps, l'arbre de vie existe aussi. Et sur la terre, l'arbre de vie est aussi représenté dans le jardin d'Éden. Maintenant, nous allons comprendre comment l'arbre de vie existait au désert. Pour voir comment Dieu, le plan de Dieu, comment Dieu veut sauver ceux qui étaient perdus. J'ai dit que l'arbre de vie, c'est ça qui était perdu, non? La gloire de Dieu qui était perdue en l'homme. Allons-y dans Hébreux 9. On va utiliser Hébreux 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. En réalité, le tabernacle qui était construit de Moïse avait une représentation d'un arbre qui commence à la racine et qui atterrit dans les feuillages. Et quand vous voyez, fini, je vais donner cette explication. Alléluia. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Propitiatoire. Ok, c'est bon. Donc, quand on voit bien, l'arbre de vie est le moyen par lequel Dieu accorde la vie aux hommes depuis la création du monde. Comme je l'ai dit. Donc, comme l'homme a perdu la vie éternelle, la gloire de Dieu qui est l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, Dieu va encore représenter l'arbre de vie par une autre forme. Est-ce que vous comprenez? Dieu va représenter l'arbre de vie par une autre manière, même dans le désert. Donc, à chaque dispensation, comme je l'ai dit, l'arbre de vie est représenté. Donc, quand on voit le tabernacle, l'on voit l'arbre de vie. Comment? J'ai dit que... Oui. Oui, je vais venir. On vient. C'est là on est dans le désert. Dans Hébreux 9, c'est le désert qui explique ce qui s'est passé au désert. Le tabernacle était où? Le tabernacle était placé au désert. Voilà, donc on est dans le désert. Et j'ai dit que à chaque dispensation, Dieu représente l'arbre de vie physiquement, spirituellement. En tout cas, il le représente parce que l'arbre de vie était dans le surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand nous voyons l'arbre a combien de parties?
combien de grandes parties? Acclame le Seigneur, c'est ça. Ou bien, la racine, le cep, voilà, on peut dire le tronc et le feuillage. Ou bien, on peut dire aussi la racine, le cep et les sarments. Là, moi, je dirais la racine, le cep et les sarments. On tue un thème biblique. Donc, on voit que le tabernacle de Moïse était à l'image d'un arbre. La racine, c'est le parvis. Est-ce que vous voyez, extérieur, le parvis, le cep, c'est ce qui se passait dans le sein. Waouh. Et les sarments, c'est-à-dire c'est ceux que les sarments, c'est nous. On viendra là. Et les feuillages, c'est ce qui se passe dans le lieu très saint. Nous allons comprendre quelque chose. Donc, il y a le lieu saint, le lieu saint, le parvis, le lieu très saint. Parce que c'est le lieu très saint, c'est là où on mange les fruits. Là où les fruits sont là, c'est dans les feuillages, au lieu qui couvre l'arbre. Avant d'aller dans les feuillages, on doit faire quoi? On doit passer par le cep. Et les sarments qui doivent porter ces fruits, c'est qui? C'est nous. En tout cas, on viendra là. Donc, le tabernacle en réalité était l'arbre de vie que Dieu a cherché. Il a cherché l'arbre de vie. Il a permis plutôt à Moïse, voilà, de chercher l'arbre de vie. Parce que Dieu voulait justifier ceux qui sont dans la loi. Mais Dieu a voulu que ça soit une ombre des choses célestes dans le terrestre. Donc ce n'était pas encore la réalité. Ce n'était pas encore la représentation même des choses dans l'invisible, dans le ciel, avant la création du monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, nous comprenons par là que le lieu où l'arbre de vie était fortement représenté. Et imagine, on dit, le tabernacle, c'est où réellement? Quel est le siège même du tabernacle? Quand on dit tabernacle, c'est où vraiment la demeure même de Dieu? C'est en quel lieu? Non, je parle du tabernacle terrestre. Je parle du tabernacle de Moïse, où Dieu était. C'est le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint que Dieu était, non? Dans le tabernacle. Ou bien? Voilà. Voilà. Or, on appelle tout le tabernacle. Or, en réalité, ce n'est pas tout qui est normalement le tabernacle. Mais parce que le lieu très saint est dedans qu'on parle du tabernacle. C'est de la même manière que on appelle le tabernacle, selon la révélation, l'arbre de vie. Sachant que l'arbre de vie même n'est ni dans le parvis, ni dans le lieu saint. Tu comprends la logique? On appelle tous les trois parties le tar. Mais on sait que le tabernacle même n'est pas ni dans la racine. Et le fruit même, on peut dire fruit. Le fruit n'est pas à la racine, ni au cep, mais lié au sarment. Et on sait que tout le tabernacle même n'est pas le parvis ni le saint, mais c'est le lieu très saint où le tabernacle demeure même est. Mais on appelle tout le tabernacle. De la même manière qu'un arbre, on l'appelle par son fruit. N'est-ce pas? On dit le fruit de la vigne. Mais en réalité, ce n'est pas le fruit. On parle de l'arbre qui produit le fruit. Donc, en réalité, par là, nous voyons que le tabernacle, c'était l'arbre de vie représenté. Mais le lieu où l'arbre de vie est fortement représenté, où la présence même de Dieu est, c'est le lieu très saint. Maintenant, par quoi? Quelle est la représentation de l'arbre de vie? Allons-y dans Hébreux 9, du 3 au 4. Renfermant l'autel d'or pour les parfums
et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ah, pourquoi? Vous me suivez? La verge d'Aaron était dans le lieu très saint, avait fleuri. C'était une verge fleurie qui représentait en réalité l'arbre de vie qui était au lieu très saint, dans le jardin de Dieu, dans les perfections invisibles, dans l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Donc, la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui était dans le lieu très saint, représente l'arbre de vie qui existe même au 7e ciel qu'on appelle les perfections invisibles, même avant la création du monde. Donc, l'arbre de vie, en réalité, elle est en réalité la vie éternelle, selon la révélation. Et le chemin qui nous conduit à l'arbre de vie commence du parvis, quittant le lieu saint et nous amenant au lieu très saint. Parce qu'en réalité, l'arbre de vie est situé au lieu très saint. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Maintenant, malgré, la Bible dit quoi? Malgré tout cela, le chemin de l'arbre de vie n'était pas encore ouvert. Mais Moïse, les sacrificateurs allaient une fois par an dans le lieu très saint. Ils passaient par le lieu saint. Ils entraient dans le lieu saint plusieurs fois. Ils allaient dans le mais la Bible dit quoi? Que ce n'était pas encore ouvert. Nous allons comprendre. Là, lis le verset 8. Verset 8. Hein? Le Saint-Esprit montra par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le chemin de l'arbre de vie n'était pas encore ouvert. Allons-y dans Genèse qu'on avait lu. On avait dit que le chemin était comment? Vous ne suivez pas la logique. Vous suivez? Dans Genèse 3, le dernier verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc en ce moment, les chérubins avaient des épées flamboyantes pour garder le chemin. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc le chemin de lieu très saint était gardé, était fermé et n'était pas découvert par les hommes. Les hommes ont cherché. Les hommes ont cherché. Les prophètes aussi ont cherché. C'est pourquoi la Bible dit que les prophètes ont mené leurs investigations. Ils cherchaient quoi? En réalité, ils cherchaient le chemin de l'arbre de vie. Moïse a cherché. Moïse est un prophète, non? Moïse a cherché le chemin de l'arbre de vie. Ésaïe a cherché le chemin de l'arbre de vie. Les sacrificateurs entraient une fois par an dans le lieu très saint. Mais ce n'était pas encore la réalité. Et la Bible nous dit ici quoi? Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint, le chemin de l'arbre de la vie, n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc le premier tabernacle était terrestre. Or, le chemin du lieu très saint doit être un chemin, c'est-à-dire un chemin ouvert, un chemin libre. Mais comment il se trouve qu'il y a des chérubins avec une épée sur le chemin du lieu très saint? Donc c'était un chemin difficile d'accès. C'était un chemin où il faut être violent, il faut être forcé. C'est-à-dire c'était un chemin forcé. Parce qu'il y a des chérubins avec une épée. Ils veulent bâtir. Parce que le chemin était fermé. Dieu ne voulait pas qu'ils aillent la vie. Ils aillent la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils, à cause du péché, le temps n'est pas encore arrivé. Tant que le diable, celui qui a la puissance sur la mort et le péché n'est pas vaincu, l'arbre de la vie ne sera pas dévoilé. Donc, nous voyons que les chérubins sont là avec une épée. Alors, ça montre que ça fait peur. Le chemin du ciel fait peur alors. S'il y a les chérubins avec une épée comme ça, qui peut aller au ciel? Qui peut aller au ciel? Mais quand on voit dans le lieu très saint qui était dans le tabernacle de Moïse, on voit que les chérubins couvraient le propitiatoire dans la gloire. C'était pas, ils n'avaient pas une épée. Cela était l'homme des biens à venir.
En réalité, le tabernacle de Moïse était un homme des biens à venir. Ce qui veut dire que c'est d'abord un homme des choses célestes, mais une chose, un homme aussi des biens à venir en Jésus. Ce qui montre que le lieu très saint ne sera plus. Lorsque ce qui était perdu sera cherché et retrouvé, il n'y aura plus de chérubins avec une épée flamboyante. Non. Le chemin qui mène au lieu très saint ne fera plus peur. On ne va plus faire trop, même si, quand nous cherchons un peu, nous allons trouver le chemin. Le chemin était fermé. L'arbre de vie était caché. Mais depuis que Christ viendra vaincre le diable qui a la puissance de la mort, l'arbre de vie ne sera plus caché. C'est pourquoi, d'abord, même dans le tabernacle, les chérubins n'avaient pas une épée flamboyante, mais ils étaient dans la gloire, gouvernent le peuple territoire. Ce qui veut dire que le chemin du lieu très saint, quand quoique les chérubins n'avaient pas une épée dans le lieu très saint du tabernacle de Moïse, quoique c'était une représentation des choses à venir, mais le lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le Fils de l'homme ne vienne chercher ce qui était perdu pour pouvoir le sauver. Est-ce que vous comprenez? Allons-y dans le livre de Jean 15. Vous allez voir clairement. Jean 15. Jean 15. Vous êtes en train de comprendre? Jean 15, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout un cep, c'est comme un poteau, un bois. C'est la tige d'un arbre. Mm-hmm. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, mm-hmm, il le retranche. Il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Je suis le cep, me voici le cep. Regardez bien. Je suis le cep. Hein? Vous êtes les serments. Voici les serments. Ça forme quoi? La croix. Vous ne comprenez pas encore. Le cep. Les serments. Les serments, c'est les branches. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi. Non, viens, voilà. À moi. Et en qui je demeure porte du fruit. Grâce à moi, vous pouvez rien faire. Verset 6 maintenant. Qui est le vigneron? Le Père. Voilà le Père. Voilà le cep que Jésus est. Et les serments, nous qui portons des fruits. Donc, par là, nous voyons que ce qui est venu sauver, en réalité, c'est l'arbre de vie. Quelle est la nature de l'arbre de vie? C'est quel type d'arbre? Il a donné la réponse en disant quoi? Le vieux. Bon, voilà là. Le Père est celui qui. Hein? C'est l'arbre en question, c'est le vigneron. Voilà. La vigne. Voilà. Et Jésus, le Père, c'est le vigneron. Donc, l'arbre de la vie, physiquement, était la vigne. L'arbre qui produit du raisin et du vin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi la vigne. Mais le fruit qu'il produisait, qu'il produisait était différent du fruit de la vigne. Depuis que l'homme a péché, l'homme a mangé les raisins verts, qui étaient en réalité l'arbre de la connaissance du bien et du mal selon la connaissance et la doctrine. Depuis que l'homme a mangé cela jusqu'à aujourd'hui, non, jusqu'à la croix, avant Jésus-Christ, Dieu avait interdit le vin dans la loi de Moïse. Dieu avait interdit. Savez-vous que le vin était interdit définitivement comme loi à cause
Parce que c'est à cause de cela que les pères ont chuté. Voilà. C'est au sacrificateur. En réalité, c'est au sacrificateur, mais à tout le peuple. Pourquoi? Parce que Moïse disait, vous êtes maintenant un royaume de sacrificateurs. Savez-vous que Moïse avait dit ça? Vous n'avez pas lu ce verset? Ce n'est pas Jésus seul qui l'a dit dans Apocalypse. Moïse disait, il fait de nous, il fait de vous un royaume, il fera des nations un royaume de sacrificateurs. Donc si le vin était interdit aux sacrificateurs, c'était aussi interdit au peuple. Et c'est ça qui conduit à l'ivresse dans le temps de la loi. Est-ce que vous comprenez? Vous me comprenez? Maintenant, pour que Jésus cherche, pour que Jésus retrouve l'arbre de la vie, dont le fruit n'est pas interdit. Quand Jésus venait sur terre, il a fait quoi? Le premier miracle de Jésus était de changer l'eau en vin. Pour dire maintenant, j'abolis cette loi. Je suis le vin nouveau. Je suis le vin. Physiquement et spirituellement, il est le vin. Parce qu'il est le vin, effectivement. Il a changé l'eau en vin pour annuler cette loi de Moïse. Maintenant, nous pouvons boire. Mais ce qui est interdit, c'est quoi? Ne vous enivrez point du vin, c'est la débauche. Soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. On va comprendre ça, c'est dans Hébreu 10, quelque part. Ou bien 9, c'est toujours dans le 9 ou non? Voilà, on va comprendre ça. Donc, l'arbre de vie est ce qui est venu réellement chercher. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Est-ce que vous comprenez? Comme, voilà, le verset 9, non, ou bien le 8 dit que le Saint-Esprit montait par là, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Alors, il faut que le premier tabernacle perde sa valeur pour que le chemin du lieu très saint soit ouvert, pour que l'arbre de la vie soit retrouvé. Alors, qu'est-ce qui donnait la force au premier tabernacle? C'était la loi. Alors, il faut que la loi soit accomplie et annulée pour maintenant que le chemin qui nous mène à l'arbre de vie soit ouvert. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Chercher et trouver, sauver ce qui était perdu. Alors, qu'est-ce qui était perdu? L'arbre de vie. Mais en réalité, cet arbre de vie représentait la croix. Parce que la croix existait depuis même le ciel. Dans l'invisible. Et Dieu l'a représenté dans le jardin d'Éden. Comme l'homme a perdu la croix, Dieu va représenter la croix dans le désert. Par la loi. Et comme la loi était un homme des biens à venir, la loi était incapable. Et que le chemin du lieu saint était fermé. Quoique le premier tabernacle existait, quoique c'était un pont, alors Dieu va encore introduire au temps du salut l'arbre de vie qui est en réalité la croix. C'est pourquoi Jacob avait eu un songe, il voyait le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi le ciel, il avait vu cela? Or, nous savons que c'est la droite de Dieu qui signale sa force, c'est la droite de Dieu qui signale sa puissance. Et nous savons que la droite de Dieu se situe au troisième ciel, au lieu le plus élevé dans le monde spirituel, dans la spiritualité. Donc, nous voyons par là que l'âme de vie qui était la croix, selon la révélation, existait spirituellement dans l'invisible. Par l'échelle de Jacob, qui est dans le sommet est au, dans le sommet est au ciel, et l'origine est sur la terre. Alors, la droite de Dieu va faire quoi? Va diviser l'échelle de Jacob en deux. Au centre. Pour faire quoi? Parce que à la droite de Dieu, le Seigneur, il y a quelqu'un, un fils de l'homme assis à la droite de Dieu. C'est là qu'il a quitté. Lorsqu'il est descendu de l'éternité, c'est là qu'il a quitté pour venir sur la terre, dans le monde physique. Alors, quoique la croix était spirituellement invisible,
Les hommes ne pouvaient accéder au lieu très saint ni au ciel parce que le ciel n'était pas ouvert. Et les sacrifices des hommes ne pouvaient pas donner accès au ciel. Donc il faut un seul sacrifice pour ouvrir le chemin du ciel. Donc l'arbre de vie qui était au ciel en réalité, pour l'avoir, il faut croire en Jésus-Christ qui nous a donné accès au ciel. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin de l'arbre de vie était fermé à cause du péché. Et comme le diable qui est la force du péché, par la loi, les démons étaient vaincus. Alors Christ est ce chemin qui nous mène à la vie étant l'échelle de Jacob. Et comme nous savons qu'il est la droite, ça fait quoi? Quand on fait l'échelle et on met la droite, ça forme quoi? Voilà. Voilà l'échelle. Et voilà la droite. Ça forme quoi? Non. La droite, c'est une droite. En mathématiques, nous sommes en mathématiques. L'échelle, c'est comme un segment ayant un sommet et l'origine. Et la droite est une droite perpendiculaire qui vient diviser le segment en deux. Et la combinaison des deux droites forme en réalité la perpendiculaire. Donc la droite, là, nous ne devons pas lire ça comme droite, comme on lit. À côté, non. C'est une droite réelle qui existe. Qui est la médiation entre la terre et le ciel. Et le septième ciel. C'est comme le chemin en réalité. Non, ce n'est pas le chemin. C'est la médiation. Voilà le chemin qui est l'échelle. Jésus est le chemin qui mène à l'arbre de vie. Et il est en même temps la médiation. Lorsque nous devons passer à l'arbre de vie, nous arrêtons sur Jésus. Non, voilà le chemin. Et voilà là, ça c'est une destination. La droite n'est pas un chemin, mais c'est une destination. Donc Jésus-Christ est en même temps le chemin et en même temps la médiation. Donc cela existait dans l'invisible, depuis le ciel. Mais comme c'est perdu dans le jardin, c'était représenté physiquement dans le jardin. Comme c'est perdu à cause du péché et que dans le tabernacle de Moïse, c'était encore cadré et codé par la loi, personne ne pouvait accéder au lieu très saint. Personne ne peut aller. Alors, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà, c'est à cause de cette droite qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'en mathématiques, ça, cette droite est en réalité appelée la médiatrice. Déjà là, le troisième ciel. Ici, ça non? Jésus est là. Voilà. Transférer voilà. Nos prières. Voilà. Donc, il est le médiateur ici, dans la perpendiculaire. En mathématiques, la perpendiculaire, en réalité, l'angle de la droite perpendiculaire est appelé quoi? L'angle de la perpendiculaire est appelé l'angle droit. C'est pourquoi on appelle Jésus est la droite de Dieu. L'angle droit. C'est pourquoi il est. La Bible dit que Jésus est la pierre dont les bâtisseurs ont rejeté, mais qui est en réalité la principale de l'angle. Quel angle? L'angle droit de la perpendiculaire. Et cette droite est la médiatrice qui sépare le segment. Cela existait déjà dans le ciel avant la création du monde et existait dans le jardin d'Éden. Et cela existait aussi dans le désert par le tabernacle de Moïse. Mais cela, le chemin n'était pas encore ouvert tant que Jésus ne vienne accomplir tout à la croix. Mais là, comment le chemin de l'arbre de vie est ouvert? Comment il a retrouvé l'arbre de vie? Il a pris la clé. Quand il est mort, son esprit est monté au lieu très saint, au septième ciel qu'on appelle cela. Il est allé là-bas pour faire quoi? Ayant la clé pour ouvrir le chemin à l'arbre de la vie. Ce n'est plus, il a arraché l'épée au chérubin protecteur. Ils n'ont plus d'épée maintenant. Le chemin n'est plus un chemin violent, un chemin resserré, un chemin forcé, mais c'est devenu un chemin libre. Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
ce qui était, existait, était dans le ciel, était dans le jardin d'Éden, était replanté dans le désert, était perdu, et le Fils de l'homme est venu chercher et le trouver. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus, cette croix existait déjà dans l'invisible. C'est pourquoi il a dû, Jésus dans la chair, a appris à être charpentier. Pour, c'est lui-même qui taille la mesure de sa croix. C'est pourquoi il dit, prenez votre croix. Si vous voulez me suivre, prenez votre croix. Donc, il est venu d'abord apprendre à être charpentier. C'est-à-dire, avec les hommes, pour définir comment la croix devait être. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a appris à être charpentier. Pourquoi? Ça ne vous étonne pas pourquoi Jésus, sur la terre, était charpentier. Il est le seul à connaître la mesure, à connaître la croix. Puisque la croix existait au ciel, dans le lieu très saint. C'est ça la veille d'Aaron qui avait fleuri l'arbre de vie dans le lieu très saint, selon la révélation. Lors des enseignements sur les aspects du trône, vous aviez dit que la croix était le trône de victoire. Et je me suis dit que c'est certainement à cause de ça que vous avez dit que c'est la croix qui était perdue. Est-ce qu'on peut expliquer ça aussi comme ça? Parce que c'est le trône de victoire et c'est par là qu'il a vaincu le péché. Voilà. Donc c'est aussi ça. Mais l'explication approfondie, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a aussi quelque chose. Quand vous avez dit que le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, c'était comme la racine, le cep et le sarment. Et le sarment est comme le lieu très saint, c'est ça? Non. Ok. Le sarment est positionné à un lieu, au cep, un lieu au cep. Mm-hmm. Pour porter du fruit qui descend du lieu très saint. Donc le fruit est en réalité l'arbre, dans sa nature même, au lieu très saint. Donc le cep, c'est Jésus. Nous sommes les sarments. Donc si nous sommes attachés à Jésus, le Père étant le vigneron qui est la tête, qui produit le fruit, produira en nous le fruit. Ok. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons par là que l'arbre de vie était aussi représenté dans le désert d'une autre manière, par le serpent des reins. Par le serpent des reins. Dieu va confondre le premier serpent. J'avais expliqué ça quelque part. Dieu va confondre, tu peux expliquer cette partie. Ah, okay. Dieu va confondre. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va confondre le serpent. Non. Dieu va confondre le serpent ici. À la croix. L'arbre de vie, c'est en réalité de guérison aux nations. Vous savez ça, selon l'Apocalypse. Et dans le jardin d'Éden, le premier homme a été mordu par le serpent. Et a reçu la semence du serpent. C'est une révélation. C'est, quand on dit mort, elle a subi la séduction du serpent, mais c'est la morsure du serpent. Or, l'Écriture dit que l'arbre de vie servira de guérison aux nations. Le but de l'arbre de vie, c'est de servir de guérison aux nations. Donc, quand Adam et Ève n'ont pas mangé l'arbre de vie, ils ont mangé l'arbre de la conscience du mal, du bien du mal. Ils n'étaient pas guéris. Ils ont reçu la semence du serpent. C'est ça la première maladie du monde. C'est ça la maladie. Ils étaient malades à cause de cette semence. Or, en réalité, de la même manière que ce n'est pas un serpent que le premier homme était malade, n'était pas guéri, il faut aussi que par un serpent, c'est les lois spirituelles. Il faut aussi de même que par un serpent, l'homme soit guéri de la maladie du premier serpent. C'est pourquoi dans le désert, Dieu va encore répandre l'arbre de vie à nouveau. Ça, c'est une autre facette de l'arbre de vie. D'abord, premièrement, j'ai donné la première facette de l'arbre de vie, qui est le chemin et la médiation. Qui est le chemin et la médiation. Maintenant, je suis en train de donner la troisième facette. Oui. Le second facette de l'arbre de vie qui est en réalité la guérison des nations. Donc,
Le chemin du lieu très saint, le chemin de la divinité n'était pas seulement fermé, mais l'homme aussi était malade. Donc le péché de l'homme par la séduction de Satan a sémé, a engendré plusieurs conséquences, comme le chemin du lieu très saint ou bien le chemin de l'arbre de vie qui était fermé, la maladie du péché qui a été la semence de la loi, la semence de la séduction du diable, était aussi une maladie que l'homme avait reçue. Donc pour que l'homme soit guéri, Dieu va utiliser une représentation physique dans le jardin, dans le désert. Lorsque le peuple était malade, il dit, Moïse, fais tous les serpents des reins, élève ce serpent. Tous ceux qui tourneront leur regard vers ce serpent seront comment? Guéris. En réalité, selon la révélation, de même manière que le serpent des reins était élevé dans le désert, il faut aussi que le fils de l'homme soit aussi élevé à Golgotha pour que tous ceux qui tourneront leur regard vers lui seront guéris. Est-ce que vous comprenez? Donc, en croyant en Jésus-Christ, tournant mes regards vers le Seigneur, je reçois la guérison par le sang de dans la semence de Jésus-Christ, qui est ce nouveau serpent selon la révélation qui a été élevée, est le sang de Jésus qui me guérit de la semence de la séduction du diable, parce que le diable avait du pouvoir sur nous à cause du péché. Donc, comme tu crois, et ce nouveau serpent errant est en réalité l'arbre de vie qui apporte la guérison. On dirait l'arbre de la vie, c'est apportera la guérison d'un sang. Comment c'est apporter la guérison d'un sang? Par la croix. Et dans la croix, tous ceux qui tournent leur regard, de la même manière qu'ils tournent leur regard dans le jardin, non, dans le désert, ils auront la guérison. Nous sommes tous délivrés de la semence du serpent. C'est pourquoi le livre de Hébreux 2, verset 14 à 16 nous dit qu'il a d'abord vaincu le diable pour nous donner la vie. Donc l'arbre de vie est en réalité était la guérison. Donc le Fils de l'homme est venu aussi sauver ce qui était perdu, l'arbre de vie qui donnait la maladie. Et qui, l'arbre de vie qui donne plutôt la guérison. Or, l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal, à cette consommation avait donné la maladie de la loi du péché depuis des générations. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est l'arbre de vie qui donne la guérison et l'arbre de la vie, le bien du mal, donnant la maladie, nous fait connaître la loi et la séduction du diable entraîne la maladie. Donc Jésus-Christ est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu sauver l'arbre de la vie. Pour que par ses maîtrises à la croix, nous soyons guéris. Donc la croix est en réalité l'arbre de vie. Qui par les maîtrises de Jésus à la croix, nous serons guéris. Donc l'arbre de vie que Jésus a trouvé. Jésus est le chemin qui nous mène à l'arbre de vie qui était fermé. Jésus est la droite de Dieu qui est le médiateur entre nous et Dieu étant lui-même à la croix. Jésus à la croix est aussi celui qui nous accorde la guérison. Donc la croix est le symbolisme de l'arbre de vie. La croix est la représentation spirituelle de la guérison et le chemin qui nous mène à Dieu et la médiation, le passage qui nous mène à Dieu. C'est clair. Aujourd'hui, là. Gloire à Jésus. Acclame Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez compris? C'est clair? Très bien. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris que. Voilà. Non, donnez-lui le micro. Donc, cela veut dire qu'au désert, l'arbre de vie a été représenté à deux endroits différents, dans le tabernacle et le serpent des reins. Et pourquoi la gloire de l'Éternel descendait au lieu très saint? Or, c'est là même, dans le lieu très saint, que l'arbre de Aaron avait fleuri. Et la veille de Aaron avait fleuri. Et c'est là qu'il y a le propitiatoire, il y a le trône de Dieu. La représentation du trône de Dieu. Donc c'est là la gloire de Dieu est. C'est là maintenant que Dieu envoie sa gloire. Donc aujourd'hui, rien n'est plus d'obstacle pour le chemin du lieu très saint. Aucun chérubin protecteur avec des épées flamboyantes, plus sur le chemin. Le chemin est ouvert.
C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit montrait par là que le lieu chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Donc Jésus est venu chercher l'arbre perdu. Il est venu ouvrir le chemin. C'est pourquoi il est entré au lieu très saint une fois pour toutes pour accomplir le sacrifice. Il a déchiré le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Parce qu'un voile séparait le lieu saint du lieu très saint pour empêcher aux hommes d'entrer. C'est pourquoi c'était une fois que le souverain sacrificateur allait. Et quand le souverain sacrificateur allait une fois, cela montre l'inefficacité même de ce tabernacle. Mais Jésus lui est allé une fois pour toutes. Lui, le souverain sacrificateur allait chaque année une fois au jour des expiations en Israël. Mais Jésus-Christ lui est allé une fois pour toutes. Il a reçu la clé et a ouvert le chemin. Et aujourd'hui, il a ouvert le ciel sur nous. C'est pourquoi les chérubins n'ont plus une épée flamboyante pour empêcher l'âme de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont dans la gloire. Et lorsque nos yeux s'ouvrent, nous tendons vers le ciel. Gloire à Jésus. Voilà. Oui, micro. La partie où vous avez parlé de la droite en relation avec l'échelle de Jacob, là, c'est cette partie-là que je n'ai pas bien compris. Okay. Ouvrez Hébreux 1, 3. Je lis. Créer le monde, tu vois, c'est clair. Hébreux 1, à partir du verset 2. Hébreux 1, 2, je lis. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire... Le monde, ce monde qui était le reflet de sa gloire. C'est pourquoi on parle du troisième ciel comme le reflet spirituel du septième ciel, de l'éternité, du ciel, de la demeure de Dieu dans le ciel. Et nous parlons du monde physique, la création physique qui est encore le reflet de la gloire de Dieu. Ça, c'est autre chose. Et je vous connaissais déjà ça. Hein? Et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ah, où est la droite? Où est la majesté divine dans les lieux très hauts? Montre-moi. C'est où? C'est ici, non? Voilà, c'est la majesté divine. Mais là où se situe la droite de la majesté divine? C'est la droite. Pourquoi c'est la droite? Quand on lit là, nous pense que la droite, c'est ici même. La droite, c'est le trône que Dieu va mettre dans le monde spirituel, dans sa représentation spirituelle. C'est le trône de Dieu dans le temps. C'est la puissance de Dieu dans le monde. Ici, c'est la puissance éternelle de Dieu. Mais ici, c'est la puissance spirituelle de Dieu. Donc la droite de Dieu est le reflet même là où Dieu est. Étant le reflet de la personnalité de Dieu. Et là où le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est, étant le reflet de la personnalité de la divinité, de l'éternité. Donc, quand Jésus-Christ est mort, quand il est mort à la croix là, il est d'abord ici, allé ici. Il a fermé la porte au diable. Il a ouvert le chemin de la vie. Le chemin pour l'âme de la vie. Mais quand il voulait descendre, pour venir sur la terre, il est le pain descendu du ciel. Mais quand il descendait pour venir dans le monde, il est d'abord descendu ici. Quand il a fini de créer, il a atterri ici. Au troisième ciel, il a régné juste pendant le temps de la loi même, jusqu'au parvis, lorsqu'il était venu sur la terre. Mais lorsqu'il a accompli tout le sacrifice à la terre, il est d'abord retourné ici pour faire quoi? Pour valider le sacrifice, pour marquer la nouvelle alliance, pour donner le libre accès au ciel, pour purifier, c'est-à-dire l'accès, le chemin, pour nous purifier le chemin pour que nous puissions accéder au ciel. Et lorsqu'il est revenu, il a encore fait 40 jours avec ses disciples. Et après ces 40 jours, au lieu de, quand il montait, il n'est plus allé ici. Est-ce que vous comprenez? Il est descendu ici. C'est ça la Bible dit que le ciel a retenu Jésus jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc ici, s'il retournait ici définitivement, ce sera la fin du monde.
C'est parce que Jésus-Christ est encore au troisième ciel que le monde continue. Si il quitte le troisième ciel, il ne règne plus là. Et il va au septième ciel dans l'éternité, dans le paradis, dans l'éternité. Ce sera la fin du monde. Là, ce sera comme si Dieu n'est plus sur son trône au troisième ciel. Donc, on sera sans Jésus. On, c'est comme si on entrait dans l'éternité. C'est pourquoi il doit être dans toutes les régions, il est partout, en tant que Dieu. Donc, la droite de Dieu, voilà la droite de Dieu. Donc, l'échelle de Jacob, c'est comme un segment. On peut lire, Là, vous allez mieux comprendre. Genèse 28, 11, à partir de verset 11, je lis. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Voilà, regardez, l'échelle est appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Quand on dit ciel, c'est pas ici, ciel. À ce niveau, je vois, j'enseigne que le mot ciel a plusieurs interprétations différentes dans la Bible. Quand tu vois ciel là, ne vois pas comme si c'est le même lieu partout. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Ici là, quand on dit ciel, ici quand on dit ciel là, c'est pas la gloire de Dieu à côté du ciel. C'est le paradis qui est dans l'éternité, dans les perfections invisibles. C'est clair. Mais ailleurs, quand tu vois le ciel, c'est ici. Lis Acte 3, 21. Acte 3. Acte 3, 21. Acte 3. Attends, c'est 21, 19, oui, 21, voilà. 21. Acte chapitre 3, verset 21, je lis. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit. Ok, c'est bon. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Quel ciel doit recevoir Jésus après sa résurrection? Depuis la résurrection de Jésus, quel ciel a reçu Jésus? Vous voyez, c'est tellement simple. Mais quand toi tu vois le ciel, tu vas dire, mais il est encore retourné. Il n'est plus retourné là où? Dans l'éternité. Il est dans l'éternité, il est parti. Mais d'abord, il est retenu dans le temps, au troisième ciel. De toutes choses. Il faut que tout soit rétabli. Ce n'est pas encore fini, ça reste encore les dispensations. Et lisez 1 Pierre 3:22. On revient dans notre étude. 1 Pierre 3:22. 1 Pierre 3:22. 1 Pierre chapitre 3 verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ah, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Oh, l'Écriture dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à le faire de tes ennemis ton marchepied. Il est où? Où sont ses ennemis? Ici, il n'y a aucun ennemi. Non. Aucun ennemi. C'est le diable qui pouvait monter. Mais quand le diable est vaincu, dans les perfections invisibles au paradis de Dieu, dans l'éternité, il n'y a aucun ennemi qui peut surmonter. Mais là où il a un ennemi, c'est dans le monde. Comme on dit monde, le diable est descendu sur la terre. Or, dans le monde, il y a la terre. Donc, c'est ici là d'ennemi, dans le monde. C'est ici qu'il commence le monde. Le monde n'est pas ici. C'est le surnaturel, c'est là où Dieu est. C'est dans l'éternité, c'est ce qu'on appelle le septième ciel. Mais ici, c'est le monde. Même le troisième ciel fait partie du monde. Mais c'est le monde spirituel qui est le reflet de ce qui est là. Et ici, est le reflet de ce qui est là. Ce qui commence ici est le reflet de ce qui est là. Et ici. Donc, depuis qu'il est allé au ciel, donc à la résurrection de Jésus, il n'est plus retourné ici, il est ici. Or, il est parti. Mais dans les dispensations, il est ici, au troisième ciel. Où est les choses? Voilà. C'est pourquoi il faut apprendre à méditer la parole pour mieux comprendre. Sinon, on va faire des dégâts. C'est clair. Il y a des versets que nous ne comprenions jamais. Mais on a compris finalement. Et quand on a compris, on a vu que vraiment,
on doit grandir dans la révélation. Sinon, le peuple périt sans révélation. Sans révélation, nous sommes sans frein. Je vous dis, malgré que Christ est allé à la croix, sans révélation, nous sommes sans frein. Et nous ne pourrons pas hériter le ciel. Nous sommes dans l'ignorance. Or, dans l'ignorance, nous sommes perdus. Toi, tu savais ces choses? Mais tu as compris maintenant. Tu étais sur quel chemin? Quand tu ne le savais pas. Chemin de l'ignorance. Ah! Or, Jésus dit, je suis la vérité. Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Voilà. Retournons dans notre étude. Genèse 1. Hein? Mmh. 12. Genèse 28, à partir du verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel, au ciel. Et l'échelle est appuyée ici, sur la terre, et son sommet touchait au ciel, en haut. Au ciel, au surnaturel. Vous comprenez? C'est clair. Okay. Mm-hmm. Oui, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Dieu monte et descend par cette échelle. C'est clair. C'est bon. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Alléluia. Wow. Nous serons nombreux au ciel. Nous serons une foule, des myriades au ciel. Peu n'iront pas au ciel. Je vous dis la vérité. L'écriture, comprenant la parole de Dieu. Peu n'iront pas au ciel. Des milliards iront, des milliards sur milliards. Ça nous donne la joie. Allez. Ce n'est pas, ça ne veut pas dire que nous allons demain dans l'ignorance pour aller au ciel. Mais Jésus n'est pas mort à la croix pour que peu de personnes aillent au ciel. Ça moi n'est pas étendu. On peut pas étendu. C'est clair, vous allez voir maintenant. Depuis que nous avons la révélation sur le ciel de Jacob, nous saurons maintenant que de nombreuses foulions. On viendra là. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, la terre, je la donnerai à toi et à ta postérité. Nous sommes la postérité de Jacob. Quoique c'est d'Israël que les 12 tribus qui sont de sa postérité, mais c'est nous de la tribu de Juda qui croient en Jésus-Christ, nous sommes de la postérité de Jacob. Continue. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ceux qui monteront, qui iront au ciel, par l'échelle de Jacob, seront semblables à quoi? Comme la poussière de la terre. Ah. Donc nous serons semblables à la poussière de la terre. Un homme est acclamé. Pourquoi compliquer? C'est clair. Ou bien frère Jacques. Okay. Au septant, tu t'étendras à l'occident et à l'orient. Au septentrion et au midi. Sur les extrémités de la terre. Voilà. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est Jésus-Christ. Nous serons bénis en Jésus-Christ. C'est clair. Voilà. Donc, voilà, frère Jacques. Voilà là où Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc c'est une croix spirituelle qui est le médiateur entre le ciel et la terre. Donc à un niveau, au niveau de l'échelle, il y a un niveau central, comme une médiation, un point de médiation, qui est en réalité l'angle droit en mathématiques. Là, les bâtisseurs, voilà le tabernacle céleste. Et la Bible dit quoi? Vous les bâtisseurs, la pierre dont les bâtisseurs ont rejeté est devenue la principale de l'angle. Où Jésus-Christ est la principale de l'angle. Voilà, c'est la principale. La paix particulière en mathématiques. Or, en réalité, c'est l'angle droit. En mathématiques. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le médiateur entre les hommes. En réalité, c'est pour nous que c'est l'angle sur cette droite. Donc, la mathématique vient de Dieu, ce n'est pas du diable. La mathématique vient de Dieu. Mais c'est après que les hommes ont amené les raisonnements en plus de la mathématique. Sinon, c'est une science qui vient de Dieu. La physique aussi, toutes les bonnes, sauf la philosophie. Alors, la Bible condamne la philosophie. Mais la Bible nous parle de la science des mystères dans le livre de 1 Corinthiens 13. De quelle science des mystères la Bible parle? Tu ne peux pas comprendre le royaume des cieux sans
la science des mystères. C'est pourquoi prier pour demander la science des mystères. C'est ce don que vous avez besoin pour comprendre. C'est pourquoi quand vous voulez prier, j'ai prié sur ce don. Si vous n'avez pas la mathématique des cieux, de l'organisation céleste, il est capable possible de comprendre les paraboles de Jésus. Si toi tu ne savais, si tu ne savais jamais que en mathématiques, la médiatrice est la droite qui divise le segment en deux et qui forme la perpendiculaire et qui forme en même temps l'angle droit. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le médiateur de Dieu et des hommes. Et c'est pourquoi en même temps la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin. Parce que de l'origine du segment qui est l'échelle au sommet, il est le chemin. Maintenant, de la médiation, c'est-à-dire de la droite qui sépare l'échelle qui est le segment, il est le médiateur de Dieu et des hommes. Il est la principale des langues. Donc, tous ceux qui veulent aller à Dieu doivent passer par. Jésus. Christ, c'est forcé. C'est pourquoi la Bible dit que les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. Voilà là où se situe le Fils de l'homme, sur qui ils montent et descendent. Donc selon la connaissance, ce sont des anges, esprits réels, des vrais anges. Mais selon la révélation, c'est nous ces anges qui montons, qui descendons, pas l'oublier. Donc le chemin du ciel n'est plus forcé, n'est plus resserré, n'est plus. On ne peut plus se rencontrer sur le chemin, on ne peut plus se coller. Mais c'est un chemin libre, ouvert. Parce qu'il nous a donné assez libre pour entrer dans le sanctuaire. C'est bon maintenant? C'est bon? On peut aller à une autre question? Donc, qu'est-ce qui était perdu? Le frère Jean-Baptiste. C'est l'arbre de vie qui était perdu. C'était ça que Jésus était venu chercher. Premièrement. Et comment il est venu chercher ça? Quand je prends l'arbre de vie, lorsqu'il était sur la terre. Et l'arbre de vie était représenté par un tabernacle dans le désert. Non. Lorsque Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il représentait l'arbre de vie? Et l'arbre de vie représentait, l'arbre qui avait. Tu l'as pas suivi l'enseignement. Quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qui a représenté sur la terre l'arbre de la vie? Sur la terre. C'est la croix qui représente l'arbre de vie. Acclamez-le pour ça, la vie. C'est clair. Sur la terre, c'est la croix qui l'a représenté. Dans le tabernacle, qu'est-ce qu'il avait représenté? L'arbre de la vie. D'abord, le tabernacle, c'est même la représentation de l'arbre de vie. Mais précisément, qu'est-ce qui représentait dans le lieu très saint l'arbre de la vie? Sans l'explication. Oui, c'est la verge de. Donnez-lui, voilà. C'est la verge fleurie d'Aaron. Et c'est ça l'arbre de la vie. En réalité, c'est une verge qui a pour la guérison. C'est la guérison. C'est pourquoi aujourd'hui, par les médecins de Jésus à la croix, nous sommes guéris. Il suffit de tourner nos regards vers Jésus et nous sommes guéris. En réalité, la guérison dont on parle, c'est la foi. Foi, crois en Jésus, tu seras sauvé. Donc, comme Jésus est venu, selon la révélation, sauver l'arbre de vie, la croix qui était perdue, il nous a donné l'opportunité maintenant d'être sauvé. Donc, la brebis perdue peut être sauvée par l'œuvre de la croix. Mais sans l'œuvre de la croix, la brebis perdue ne peut jamais être sauvée. Donc aujourd'hui, nous avons une libre accès au ciel depuis que Jésus a installé, lui-même a positionné l'arbre de vie à Golgotha. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc c'est clair. Donc, d'abord, il est venu sauver l'arbre de vie. S'il ne sauve pas l'arbre de vie, il ne sauve pas la croix qui était invisible, mais cachée à cause du péché et du diable, personne ne sera sauvé. Donc, il a d'abord sauvé ça avant que nous ne soyons sauvés. Nous, aujourd'hui, ce qui suffit de faire, de croire en Jésus. Quand on croit en Jésus, on manifeste les yeux de la foi, on est sauvé. Donc, Jésus a tout fait à notre place. Ce que nous devons faire simplement, c'est croire. Et nous obéir pour être sauvés. Jésus, c'est clair. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus.